à tous. Donc, je suis postdoctorant à l'Université d'Angers. Et donc, ma présentation d'aujourd'hui, en effet, part du constat qu'avec le développement et l'essor du concept de service écosystémique, on a eu tendance à présenter la biodiversité et à penser la biodiversité comme un atout au bien-être humain. Et si cette démarche était nécessaire pour rééquilibrer un peu les choses, on a eu tendance en chemin à oublier que vivre avec la biodiversité, c'était pas toujours facile. Et donc, ma présentation d'aujourd'hui propose de discuter de l'opportunité d'intégrer au cadre d'analyse des services écosystémiques la notion de disservice pour mieux comprendre les relations nature-société dans les socio-écosystèmes. Donc, j'utiliserai trois cas d'étude pour appuyer mes propos aujourd'hui. D'une part, les coteaux de Gascogne dans la zone Atelier Pigard, que Florian Clément nous a un peu présenté tout à l'heure, où l'on observe une dynamique d'intensification des exploitations agricoles sous fond de mutations dans l'organisation de la société rurale locale et notamment dans le rapport que les agriculteurs entretiennent avec leurs espaces arborés, les bois paysans, les arbres forêts. Et ces changements se traduisent par des modifications de paysages qui questionnent donc la place de l'arbre, notamment dans les paysages agricoles. Le second territoire est le Mont Lozère, au niveau du parc national des Cévennes, où ont également lieu des transformations dans les pratiques et dans les paysages agricoles, avec d'un côté une dynamique d'enfrichement, d'abandon des terres agricoles les moins fertiles et d'enfrichement, et de l'autre une intensification dans les terres les plus fertiles. Et avec ces mutations, on a également une augmentation des populations de sangliers qui occasionne des dégâts accrus. Et enfin, le troisième territoire est la zone Atelier Wangé, que je pense vous connaissez à connaître. Et donc, je me concentrerai pour cette présentation sur la question de la gestion des éléphants en périphérie de ces terres protégées. Donc, dans ces trois territoires, on voit, on a la question de l'évolution des relations nature-société qui émergent. Et pour comprendre ces relations, il s'agit de comprendre les liens qu'il y a entre ce qu'on peut appeler les cognitions environnementales, les comportements et pratiques des individus et des collectifs, et l'état et le fonctionnement des écosystèmes. Donc là, on est vraiment dans une approche interdisciplinaire pour comprendre ce qui se passe dans ces territoires. Et c'est notamment cette nécessité d'interdisciplinarité qui est à l'origine du succès du concept de service écosystémique, puisque comme vous le voyez ici, c'est un concept qui est de plus en plus utilisé à la fois par les sciences de la nature et les sciences sociales, avec trois grandes fonctions, une fonction éducative, donc faire prendre conscience sur l'importance de préserver la biodiversité, une fonction épistémique pour nous aider, nous, en tant que scientifiques, à mieux comprendre nos socio-écosystèmes, et également une fonction d'aide à la décision. Et donc, du fait de son appropriation par des disciplines et des acteurs variés, c'est un concept qui a différentes définitions, différentes acceptions. Donc, c'est un concept à la fois robuste et flexible, un peu flou, ce qui en fait un objet frontière pour faciliter le dialogue entre les disciplines et entre les acteurs. Et donc, pour illustrer cette ambiguïté, vous voyez ici que selon les auteurs, ce terme désigne soit des fonctions écologiques, soit les produits de ces fonctions ou encore les bénéfices qui sont tirés de ces produits. Et donc, du fait de cette ambiguïté, je pense qu'il est important de bien définir dans quelle acception on se place quand on l'utilise. Donc aujourd'hui, je le définis comme les structures, fonctions et processus écologiques que les humains reconnaissent comme améliorant leur bien-être. Donc on est dans une approche constructiviste des services, puisque en fait c'est la façon dont les humains vont percevoir certaines structures et fonctions comme bénéfiques. Et on est voilà sous un prisme positiviste finalement de la nature. Et cela a conduit à l'émergence en 2006-2007. De la notion complémentaire de disservice pour tenir compte des contributions négatives. Donc, on pense notamment aux nuisances dues aux ravageurs agricoles, aux pathogènes ou encore aux animaux dangereux pour la sécurité des humains. Et on peut donc, par miroir au concept de service écosystémique, définir les disservices comme les structures, fonctions et processus que les humains reconnaissent comme diminuant leur bien-être. Donc, comme vous le voyez ici, il y a eu très peu de recherches sur ce concept en particulier. Et donc, il y a encore actuellement un enjeu fort pour mieux le cerner et surtout pour évaluer son utilité pour l'étude des relations nature-société.
Et donc, parmi les apports qu'on peut voir de l'intégration des services et des disservices dans une approche intégrée, j'insisterai aujourd'hui sur trois aspects. Le premier, c'est concerne la compréhension des représentations que les acteurs ont de leur nature. Et pour cela, je me baserai sur les apports, sur les rapports qu'entretiennent les agriculteurs aux forêts rurales dans les coteaux de Gascogne. Le second concerne la caractérisation des dynamiques socio-écologiques en lien avec l'évolution des pratiques agricoles. Et nous irons pour cela dans le Mont-Lozère. Et enfin, le troisième concerne l'appréhension des conflits autour de la gouvernance des ressources naturelles. Et donc, on ira à Wangé pour ce troisième point. Donc, dans ces trois territoires, on a des enquêtes qui ont été conduites à l'occasion de différents projets, conduits par moi-même, par Clémence Moreau pour les Cévennes et par Chloé Garbois à Wangé. Et donc, ces enquêtes ont fait l'objet d'analyses indépendantes. Et ensuite, nous avons travaillé en commun pour coder systématiquement les différents services et disservices évoqués par les acteurs de ces différents territoires. Et nous avons pour cela utilisé la classification européenne pour les services et une classification ad hoc pour les disservices, vu qu'il n'y a pas de classification internationale pour les disservices. Donc, pour commencer, dans les coteaux de Gascogne, vous avez ici les différents services en dégradé de vert et disservices en dégradé d'orange que les agriculteurs associent aux forêts rurales. Donc, on retrouve notamment le bois de chauffe, les champignons, la lutte contre l'érosion des sols pour les services et la gêne à la mécanisation, encore la compétition avec les cultures pour les disservices. Donc, si on prend l'exemple des petits bois paysans, un premier élément qui ressort de l'analyse service-disservice, c'est que d'une part, les services sont prépondérants dans les entretiens par rapport aux disservices, et d'autre part, que les enjeux patrimoniaux priment sur les enjeux économiques pour les agriculteurs concernant leur forêt, leur petit bois. Donc, on peut voir ici, dans les propos que je vous ai mis, qu'il y a une certaine résistance des agriculteurs vis-à-vis de l'exploitation du bois d'œuvre au profit du maintien de leur bois pour les générations futures. Mais on a également une défiance vis-à-vis des entreprises d'exploitation forestière et de bûcheronnage dont le travail est jugé très négativement. À l'inverse, pour les arbres hors forêt, donc tout ce qui est arbres isolés et dans les espaces agricoles, on note des tensions plus fortes entre les enjeux économiques d'un côté et puis les enjeux environnementaux, patrimoniaux ou de tradition de l'autre. Et dans ces différentes citations, vous pouvez voir qu'il y a une certaine tension, entre un certain décalage entre ce qu'aimeraient faire les agriculteurs et ce qu'ils sont contraints à faire. Et cela renvoie à un phénomène de dissonance cognitive, dans le sens où les valeurs qui sont portées par les agriculteurs sont en contradiction les unes des autres. Et donc, ils expriment ici être dans des situations inconfortables en termes de choix. Et donc, à travers ce prisme service-disservice, on comprend mieux ces différents compromis que les agriculteurs opèrent au quotidien, ainsi que leur inconfort. Ensuite, pour ce qui est du sanglier dans le Mont-Lozère, donc vous avez pareil ici les services et disservices clés, donc la chasse et la viande de gibier, et puis les dégâts sur les parcelles agricoles et sur le patrimoine bâti. Donc, un des résultats marquants de cette étude, c'est qu'il y a parfois un découplage entre les dynamiques écologiques et les services vécus par les acteurs. Donc, l'augmentation de sangliers est associée à une augmentation de la valeur récréative de la chasse, mais à l'inverse, cette augmentation s'associe à des obligations accrues de régulation qui incombent aux chasseurs et qui diminuent en fait l'expérience de chasse. De même, la viande de gibier, son exploitation et sa valorisation dépend fortement de la capacité de la filière locale. Et donc là, on n'a pas du tout de couplage avec les populations de sangliers. Et enfin, on a un couplage assez fort entre les dégâts et les populations. Néanmoins, ce couplage est à relativiser puisqu'il n'est pas indépendant de l'évolution des pratiques. Donc, d'un côté, on a l'abandon de certaines terres qui s'enfrichent et qui constituent des zones favorables de refus pour le développement des populations de sangliers. Et ces populations de sangliers causent davantage de dégâts sur les terres agricoles et donc favorisent cette dynamique
d'abandon des terres les moins favorables à l'agriculture. Et donc on constate ici que c'est en comprenant mieux les mécanismes qui sous-tendent l'émergence de certains dits services, avec notamment l'évolution des pratiques agricoles comme un facteur décisif, que l'on peut être en mesure de sortir de ce genre de cercle vicieux. Donc pour finir, au niveau de la Zida Wangé, vous avez ici les services et dits services associés aux éléphants, dont des services liés à l'esthétique de l'animal, des services récréatifs via le tourisme ou encore la nourriture. Et puis à l'inverse, on a des problématiques de ravage des cultures et de dégâts sur des arbres. Alors à Wangé, il y a deux mécanismes principaux pour gérer liés à la gouvernance des coûts et des bénéfices associés à la conservation des éléphants. Donc d'un côté, on a les Problem Animal Control qui aident à réduire les dommages provoqués par les éléphants dans les champs, avec le cas échéant une redistribution de la viande aux communautés locales. Et de l'autre, on a l'association Campfire qui utilise une partie des revenus générés par le tourisme pour mettre en œuvre des actions de développement dans les villages et dans les wards. Et donc cependant, ce qu'on note, c'est qu'il y a, ce n'est qu'une infime partie de la manne financière générée par le tourisme qui profite aux communautés locales, d'où le fait que certains agriculteurs expliquent ne tirer aucun bénéfice de la conservation. Et d'autant que dans les deux cas, on est dans des systèmes qui sont très centralisés, avec des ressources humaines limitées, et ce sont donc des systèmes de compensation qui sont finalement peu réactifs, notamment au niveau du problème animal control. Et enfin, si on compare finalement les 10 services vécus et qui ils affectent, et à qui profitent les actions de développement, on se rend compte d'abord que certains 10 services ne sont pas du tout pris en compte, tels que le dégât sur les arbres ou les attaques sur les humains. Ensuite, on a dix services, tels que les ravages sur les cultures, qui affectent des personnes individuellement. Et les actions de développement, elles, se font au niveau collectif. Et donc, on a un décalage là entre le dispositif d'atténuation ou de compensation et le dit service. Et donc, on voit ici qu'en comprenant mieux ces aspects de gouvernance, on pourrait imaginer des mécanismes qui ciblent mieux les personnes qui subissent les coûts de la conservation dans le sens d'une gouvernance plus juste et équitable, des aires protégées notamment. Donc, ces trois cas d'études nous montrent d'abord que les services et disservices sont tous les deux structurants dans les représentations et des relations nature-société et donc mériteraient d'être mis sur un même plan analytique. Ensuite, ces services et disservices, pour moi, c'est pas remettre en cause la nécessité de mieux préserver la biodiversité. Là, je pense qu'on est tous d'accord sur cette nécessité. Mais c'est surtout nous amener à nous interroger sur nos pratiques, leur évolution et la place que nous accordons aux non-humains dans nos territoires. Et enfin, comme le montre le cas de Wangé, on constate que les services et disservices sont souvent finalement le reflet des interactions des acteurs à propos de la gestion de leur territoire et de leur positionnement respectif dans cette arène d'action. Et donc, il me semble qu'une approche intégrée service-disservice permet de mieux reconnaître les points de vue de chacun et avec comme but ultime une plus grande justice environnementale. Quelques points de vigilance à garder à l'esprit cependant. Il faut bien faire attention de ne pas tomber dans une approche binaire, puisque du coup, on voit bien que chaque espèce peut être associée à la fois à des services et des disservices. Se pose aussi la question des interactions qui seraient ni positives ni négatives et à comment les intégrer dans ce cadre d'étude. Attention également à ne pas simplifier les acteurs dans des idéotypes, puisque derrière chaque acteur peut avoir plusieurs casquettes et que derrière les acteurs, il y a des individus avec des histoires personnelles. Et enfin, cette dichotomie service-disservice doit être un minimum flexible pour prendre en compte les effets qui sont contexte dépendants ou personnes dépendantes. Et donc, du coup, d'où l'intérêt d'articuler une approche constructiviste au concept de service-disservice. Pour conclure, je dirais que
Le constat que nous partageons, c'est que la biodiversité est menacée par les sociétés humaines contemporaines et qu'on a un enjeu d'enrayer ce déclin et d'améliorer la durabilité des relations nature-société. Donc, la stratégie service, c'est utiliser la biodiversité comme un atout pour notre développement. Et à travers la stratégie d'e-service, finalement, on essaie d'alléger les coûts liés à la conservation de la biodiversité en modifiant nos pratiques. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour faire un peu de pub pour un symposium à venir dans le cadre du colloque d'écologie des paysages. Je vous remercie.